J'aurais un 4-3-3, je pense. Avec un 6 et 2-8. Beaucoup de techniques, beaucoup de jeux tactiques et puis du spectacle. Alors dans les cages, je pense que je mettrais Joseph-Antoine Bell parce que c'est un gardien camerounais, ça me rappelle mes origines et que c'était un très grand gardien à l'époque. Latéral droit, je mettrais Marcelo parce que pour moi, c'est un des meilleurs latérales du monde. Les techniques, il apporte offensivement, défensivement aussi, c'est un monstre. Ma charnière Wendy, c'est ma coéquipière en club, on s'entend super bien sur le terrain. C'est une des meilleures défenseurs centrales du monde, et même une des meilleures joueuses du monde. À côté, je me mettrais moi. Je me mettrais moi parce que j'ai envie d'être dans mon 11 de rêve, tout simplement. À gauche, je mettrais Selma Bacha. C'est une très très bonne défenseure, elle n'a jamais rien. Et elle est dure sur, on va pas dire dure sur l'homme, parce que elle est dure sur la femme du coup. Elle a une très bonne qualité de centre, elle apporte beaucoup offensivement et défensivement, comme je disais, elle lâche rien. Ma 6, alors je mettrais Saki Kumagai. Elle va réguler l'équipe, elle fait le travail de l'ombre, mais elle le fait toujours super bien et elle est rarement mise en lumière. Ensuite, en 8, je mettrais mon petit frère, Yanga. Parce que j'aime sa qualité de passe, sa qualité de frappe aussi. À côté de lui, Léo Messi, mais il serait un peu plus offensif. Mon frère accompagnerait un peu moins, mais je mettrais Léo Messi en soutien un peu de l'attaquant. Mon trio de pointe, je vais bien choisir. À droite, il y aurait Delphine, justement. Delphine qui fait... Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'étais en train de penser à autre chose, mais non, je mettrais Delphine parce que j'aime sa qualité de percussion, sa qualité de dribble aussi, et surtout sa patte folle. Donc je la mettrais à droite. À gauche, Amel, elle a une grosse qualité de dribble aussi, elle aime éliminer son vis-à-vis et aussi sa qualité de centre, elle est très bonne. Mon attaquant, je mettrais Eto, c'est un très très grand joueur. Très bon attaquant, très bon finisseur et on a les mêmes origines donc je mettrai Eto. Capitaine, bon on va rester sur Wendy. C'est bien sûr, mais maintenant il nous faut un entraîneur. Ouais. Ça. Je mettrai mon grand frère Erwan parce que il a une bonne vision du football. Quand je parle avec lui, il sait de quoi il parle. Et... Qu'est-ce que tu penses de ton boss ? Je pense qu'il est pas mal, hein. On peut faire de grandes choses. On aurait pu faire de grandes choses.